ça. Et si mal souté. Bon, ma comme mon kuna, baton va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là va, yo ba mission la tope ça aux autres comme il faut. Place nous à ouais ça souté. Ah? Oyogi, allez, quittez. Olosa, on est là bas chamani na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Lava. Et en plus, il y a des gens qui ont mis partout en Europe, dynamique, qui ont mis partout en Europe. Maman Coquette, ça et comme ils sont partout. Tu as mis la Suède, tu as mis la Paris, tu as mis la Lille, tu as mis la Bruxelles. Et puis, base de la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Ils sont la dynamique Congo. Deux ans pour avancer dans le colo. Voilà, on a qui déclaration à lobby à coalition à la Mouka. Voilà, on a qui déclaration à lobby. Nde comment est-ce qu'à tout, nde comment j'appelle Bagombo, nde quoi d'autre musito, nde comment Tungulu, bango balance autour, c'est comme qu'on zéco le matin faillu. Bah, y'a qui lobby, bah, le bas qui très bien été. Matin faillu, zoom à le bas, la président élu, n'a combo n'a biso balance, bande quoi à la Mouka. Le bas, n'a pas député, bah, qui est sous parlementé. C'est comme qu'on zéco le bas qui lobby, bah, député, tu vas suspendre la participation au parlement. Deuxième, à l'objet marche à 4 par fou, marche à vérité le 30 juin. Boki Yango. Awa, bon monde à Gosala. Et bon moment, et où t'es à Kabila. Donc, Awa, bazar, qu'on somme, mané, qu'on somme, bah, voix, bah, qu'on somme, mané, qu'on somme, bah, député. Soit on a député, y'a un cause de députation, un cause de député, un, dans mon solo. Au regard de temps, qu'on zécole à l'objet, Kabila a commis corruption, le col à salaire. Salaire, la juge, elle a commis corruption. Donc, tu as dit que 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 tu as le 30 juin, où est le chauffement? Le 30 juin et que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as démission pure et simple à M. Tshilombo. Parce que nous ne comptons pas sur cette cour. C'est une cour qui est dans la poche de Kabila. Donc, nous allons récupérer notre souveraineté. Je répète que la constitution le BT, les arrêts de la cour sont rendus au nom du peuple. Et notre peuple ne se trouve pas dans ces arrêts. Donc, seul le peuple congolais a le pouvoir et le droit de contester les arrêts et de les rejeter. Voilà pourquoi mon maman Congo, baillé qu'on rejeté, barré, yakou, cautionné le lot. Et puis, ça doit nous accompagner, bango. Mais bon, tout le monde, tout le monde, maman, pour te bango, ne va pas honorer le lot. Qu'est-ce qui vous emmène ici habillé de cette façon? Ben, ça, c'est ma tenue officielle. Hein? C'est ma tenue officielle. Nous sommes venus, bien sûr, revendiquer, réclamer l'invalidation des 33 députés Lamouka. Vous avez très bien compris que la Cour constitutionnelle a invalidé 33 députés. Nous ne savons pas pourquoi.
C'est pour ça que le président élu Martin Fayulu a demandé à toute la population qui se retrouve en ses députés de venir manifester ici devant la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que nous sommes venus répondre, bien sûr, à ce mot d'ordre. Voilà. Comment vous êtes en train de revendiquer et tout ça? La manière dont vous êtes en train de procéder, c'est la bonne façon de faire ou pas? Madame, c'est un combat. C'est un combat. On ne peut pas continuer à voler au peuple congolais sa victoire. Je trouve que c'est trop injuste. On continue à voler au peuple congolais sa victoire. On nous a volé notre victoire présidentielle. On veut nous voler encore la victoire avec nos députés nationaux, 33 qui sont déjà partis, sur le peu que nous avions. Comment est-ce que nous pouvons travailler? C'est pour ça que le président Martin Fayulu, le président élu, a demandé à tous les députés parlementaires de l'AMUKA de ne plus siéger. Et c'est ce que nous allons faire, nous n'allons plus siéger, bien sûr. Vous aussi, vous êtes invalidé? Je ne suis pas invalidé, je viens soutenir le mot d'ordre de mon président de la République. Il ne faut pas attendre que je sois validé pour invalidé pour venir ici. Madame, je suis solidaire. Je ne suis pas entré dans ce Parlement pour l'argent. Je suis entré au Parlement pour améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est ça mon objectif. Donc, s'il y a un problème qui tombe sur les députés nationaux, je me battrai pour eux aussi. Voilà. Vous n'avez pas peur pour votre place? Madame, je vous le dis encore, je suis venu à l'Assemblée nationale pour améliorer les conditions de vie de chaque Congolais, madame. S'il faut qu'on m'invalide, je partirai. Mais que la personne qui me remplace sache qu'il a volé la place de quelqu'un. Et moi, je prierai à Dieu et Dieu me dira comment agir. C'est tout. Et si voilà. Vous ne recevez pas de réponse favorable, que feriez-vous ensuite? Madame, nous allons continuer la pression populaire. Le président Martin Fayulu a dit clairement que le 30 juin, ce sera sur toute l'étendue du territoire congolais. Chaque Congolais devra sortir dans la rue, revendiquer sa victoire qui a été volée. Le président Martin Fayulu a été élu comme président de la République. On nous vole la victoire. On veut nous voler la victoire des députés nationaux. Bah, tonité, laisse-moi le dire en lingala. De quoi passer dans le Kosoming? Batonité baliba zouali sous ma député moussous maman atabi nomoro et ça la n'engwana le 23 juin tous à la paix et belé toyamba président nabiso Jean-Pierre Mbemba ozana président Martin Fayulu tozoni dingisa pour le 30 juin bien sûr 2019. Merci beaucoup. Merci. En étant instrumentalisé par le FCC Cash, tout ce que la Cour constitutionnelle a pu faire en étant instrumentalisé par le pouvoir de Joseph Kabila, aujourd'hui le peuple démontre qu'il avait désavoué Joseph Kabila, qu'il avait désavoué son dauphin, qu'il n'avait pas élu Félix Tshisekedi. On a volé la victoire du peuple. Aujourd'hui, le peuple démontre à suffisance qu'il y a une très forte crise de légitimité et comme la légitimité appartient au peuple, tout ce qu'ils feront sera nul et de nul effet. Cela nous donne donc l'opportunité de dire à ce même peuple qu'il doit récupérer son pouvoir et agir en connaissance de cause, et cela en respect de notre constitution, dans le respect de notre constitution en son article 64. Sinon ça va dépasser même ces mesures ici. On va s'organiser chaque jour et on aura beaucoup de peuples congolais qui vont nous suivre. Et le monsieur là, le président de la Cour constitutionnelle, il doit savoir qu'il est là pour le peuple congolais. Ce n'est pas sa maison ici. C'est le bureau qui descend, qui parle avec nous pour qu'il remet ce qu'il a commis. Si tu commets l'adultère, c'est toi-même qui dois demander pardon. Qui vient demander pardon? Je vous remercie. Maintenant, je suis invalidé. Je n'accepte pas, je vous informe. Je suis un citoyen congolais, pays de Lumumba. Comme Lumumba s'est sacrifié pour son pays, moi aussi, je serai le deuxième. On combattra jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est le premier jour. On ira jusqu'à la fin, jusqu'à rendre faible cette cour inconstitutionnelle. Je dis et je vous remercie.
Bonjour. Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe sur le boulevard. Pourquoi vous êtes là? Bon, nous sommes là pour figer les décisions de la cour d'appel. Suite à des erreurs matérielles, on a eu à invalider justement nos collègues. Et puis, dans un délai qui est inconstitutionnel. Vous aussi, vous êtes député? Je suis député. Invalidé? Non, pas invalidé, par solidarité. Nous venons soutenir nos amis qui ont été invalidés injustement. Merci, monsieur le député. Bonjour, madame. Vous aussi, vous êtes député? Oui, je suis député. Invalidé? Invalidé, oui. Vous avez des preuves que vous avez été élu, mais invalidé injustement? Vous savez, madame, chez moi, là, c'est trop grave. C'est compliqué, madame. Comment est-ce qu'un maire élu dans une circonscription, quelqu'un qui a eu 18 000 voix, on le remplace avec quelqu'un qui a 1 500 voix? Tu as déjà vu ça? Ça, c'est de la justice. Il avait été moins élu que vous? Personne n'a eu de voix, même la moitié de mes voix, dans ma circonscription à Calémy. Personne. Alors, je n'ai pas été notifié, il n'y a pas eu de requête. Et un matin comme ça, on me dit qu'on est invalidé. C'est inconcevable. C'est qui la cible? À qui est-ce que vous condamnez tout ça? C'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit revoir, parce qu'il y a des erreurs. Ils sont humains quand même, ils sont humains, ils doivent revoir quand même. Vous faites confiance à la Cour constitutionnelle? On n'a pas confiance jusque-là, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi vous venez si vous n'avez pas confiance? Nous venons pour leur voir, pour leur faire voir qu'ils doivent être honnêtes et ils doivent revoir leurs histoires. Ils doivent nécessairement corriger les erreurs qu'ils ont commises. Voyez-vous qu'en venant ainsi, vous allez trouver une réponse favorable? Il y aura une solution parce que le peuple va se prendre en charge. Parce que nous savons qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de pousser les gens, d'inciter les gens à faire une rébellion. Pour qu'il y ait des moyens de balkaniser le pays. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ils n'auront rien. Ils n'aboutiront à rien parce que le peuple va prendre son destin en main. Vous pensez que vous êtes sur la bonne voie? C'est la bonne façon de faire? Oui, c'est la bonne façon de faire. Merci, monsieur le président. Je suis député national, invalidé injustement. Je suis valablement élu de la Tchango. Il est hors de question. Nous allons soutenir Jean-Pierre Bemba parce que le président Fayou lui avait donné ce mandat de là. Parce que nous devons libérer le pays. À voter qui au peuple, à voter qui valablement. La Tchango, par exemple, Naïdi Tumonizi, j'ai été invalidé injustement. Nazaraka député en 2007, en 2011 et puis en 2019. Comment expliquer que Moutou Oyo, comment expliquer que Moutou Oyo, à la base, tient à dire par que le loi n'est pas proclamé élu. D'autant plus que le président Nabisso a commis l'être à désistement. A Bori, à l'obi Makambouana, Bisso, Tobotoyebi, à l'autre, parce que Moutouana, à Zara, va voir Tébisso, dans un débat propre, et ça va partir à Bisso. Cour constitutionnelle, au lié à respecter volonté à coordonnateur à Bisso, à la personne, à Martin Fayoulou, non, bah ça, lui, oh, bah, on va rendre Martin Fayoulou, bah, compte. Bisso, tu as lui, à peuple, peuple, tu as voté, Bisso, tu es à ou à peu, bateau, yo, bah ça, la rectification des rêves martyrs. Parce que, oh, bah, y'a, bah, ça, lui, peuple. Pouvoir et peut-être ça m'a rendu peuple. Mais les portes sont fermées pour vous. Comment est-ce que vous allez avoir? Les portes ne sont pas plus fermées parce que la population, le peuple est là. C'est bon. Avez-vous de preuves que vous avez été massivement élu? Mais moi, je suis natif de Tchangouya. Je crois qu'il y a des militants ici. Posez la question. Ils vont vous dire que j'étais massivement élu. En plus, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est la troisième fois. Non, il y a un cas de jurisprudence parce que notre président avait introduit une lettre de désistement. Dès lors que cette lettre-là a été introduite régulièrement, il a fallu que la Cour puisse se désister du dossier. Alors nous sommes là parce qu'il y a un cas de jurisprudence dans Kabongo. Honorable Mokoba, invalida qui est justement. Et puis, la Cour s'est rendue compte que l'être à désistement a peut perdre des quotas qui va valider. Alors pourquoi pas Martin Fayoulou Yemoutou, à côté de qui l'être n'est pas bon édifiant, mais bon il y a parce qu'il y a Martin Fayoulou. Donc la Cour doit réparer ou rectifier les règles matérielles au Ibabato Basalia. Et puis, monsieur, la justice du peuple, du moment où le peuple n'est pas d'accord avec les arrêts de la Cour,
la décision du peuple est au-dessus de la loi de la foule. Okay? Parce qu'aujourd'hui, le peuple peut décider de balayer toutes ces institutions aujourd'hui qui font la honte la RDC. Vous comprenez? Le peuple souverain, aucune décision ne peut être au-dessus de la volonté du peuple. Voilà, monsieur. Bonjour, mon frère. Bonjour. Papa Tomonio, disons, très bonne question, mon frère. Bonjour, mon frère. Bonjour. Et là, on y est, mais awa et puis awa toza wapi, nani, et si quand on awa toza wapi? Et si quand on télémia awa toza, précisément, na liboso à cour constitutionnel, na biso à Kinshasa. Et là, on y est, mais awa, tomoni plus ma maman, yo moi, mon belle, ça ni na katia ba maman. Bon, nous avons intervenu il y a plusieurs fois au y a déjà rana na koloba souté même combo na y bisa souté so moninga disu awa pona koza na sima ba mama o baye ko réclamer droit balobaka ya liboso eza mama so ngana nzande moninga lelo na temi boy parce que mama parce que soki mama kanga ki makolo na ngana na bima mobima te na ngana na bima ko kufa. Ba mama baye ko réclamer droit na bango. Droit na bango eza ya nini? Ba mama ba vota liboso Martin Fayulu Madidi comme président ya mboka. Oyebi mboka ndenge tambolaka na ba anarchie na ye na ba corruption na ye. Ba corrompre ba cour constitutionnelle ba nini? Ba ko pesa Chilombo comme président nommé. Président Eli ba tiki ye mpanzi. En plus na coalition na biso ya Lamuka. Tozaki nisu na ba député. Tozaki non seulement na président mais tozaki na ba député aussi au ba votaki. Ba député ba votaki bango. Etika eleki kutu ba dele o ya ba cour constitutionnel na bango. Moi je vais l'appeler cour de corruption. Eza cour constitutionnel été. Ba dele na bango o ba pesa ki pona ke cour ezaki pour 2 mois. Imaginez de janvier jusqu'à juin que nous sommes aujourd'hui. Après ça, il y a 2 mois de recours. Il y a des manœuvres. Dernièrement, il y a des députés qui ont validé les députés à la Mouka 23. 23 députés à la Mouka. Remplacés par qui? Pas seulement les députés de l'FCC. Et Zalaka Wapi. Je ne sais pas si Wapi. Balo Bagamba, je ne sais pas si tu FCC na cash. Batiga na paye na bango. Bisope na bato o balingi vérité bato o balingi ya bosolo na mboka to kende na ndabu na biso pona ali o to kende ba inosa ba okufe bele ba inosa ba okufe bele. Merci, merci. Ok. Papa Mekanos, on peut commencer? Bonjour monsieur Johnny. Bonjour madame. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous emmène ici. Vous aussi vous avez été invalidé? Non, j'ai été invalidé indirectement parce que lorsqu'on prive un parti de plus de 40% de ses élus, vous savez que l'MLC a eu 22 députés dans des conditions très difficiles. On nous enlève 8, c'est inadmissible. À partir du moment où ça s'est fait en violation flagrante de la loi, dans ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si ce sont des actes de dol ou des violations intentionnelles de la loi électorale. Donc pour nous c'est inadmissible, en tant qu'enseignant de droit, en tant que spécialiste en droit électoral et en tant que dirigeant du MLC, en tant que citoyen congolais, je proteste contre ces arrêts qui sont des arrêts uniques et des arrêts totalement en violation de la loi électorale. Ces arrêts sont les arrêts de la Cour constitutionnelle sont incontestables. Comment vous allez procéder, vous, en tant que professeur de droit? Le droit est une science qui est basée sur un certain nombre de principes. Pour qu'un arrêt soit inattaquable, il faut que cet arrêt-là respecte lui-même le droit. Lorsque l'arrêt ne respecte pas le droit, c'est un arrêt inexistant. Lorsqu'on vous dit que l'arrêt doit être motivé, lorsque l'arrêt n'est pas motivé, ça viole la Constitution. Lorsque un arrêt rendu sur dol, ou sur fraude, ou sur corruption, ou sur non-respect de la loi, c'est un arrêt qui n'existe pas. Les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple.
Et lorsque le peuple ne se reconnaît pas dans ses arrêts, ses arrêts n'existent pas. Je crois que vous avez suivi la dernière sortie du Conseil supérieur de la magistrature qui a voulu dire qu'un arrêt du Conseil d'État était inexistant. Donc eux-mêmes, ils ont déjà appliqué cette théorie. Mais comment voulez-vous recourir à une cour qui est dite inféodée par vous-même? Nous demandons à la cour de prendre conscience de son incapacité. Cette cour a été constituée de manière irrégulière d'abord. Les magistrats qui sont là n'ont pas été choisis conformément à la Constitution et à la loi. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de tirage au sort. Et cette cour, depuis toujours, est en train de se compromettre. Donc nous demandons que cette cour-là puisse quitter le jeu politique congolais et si au moins peut se ressaisir pour confirmer ne fût-ce que le mal qui a été fait par la CENI. Honorable, vous n'êtes pas d'accord avec sa justice, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous êtes ben nous sommes venus en tant que citoyens leur dire d'arrêter leur spectacle, leur tragicomédie. Êtes-vous sûr d'être entendu? Oui, parce que les arrêts sont rendus au nom du peuple et moi je suis le peuple. C'est bien bon de protester, mais pourquoi vous n'avez pas d'abord cherché la cause de ces invalidations? Pardon? C'est bien bon de protester, de s'opposer à la décision de la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que vous avez cherché les causes de ces arrêts? Mais c'est à eux de nous dire, parce que quand je vous dis que ce sont des arrêts qui sont rendus sur dispositif, c'est-à-dire que ce sont des arrêts qui ne sont pas motivés. Or, la Constitution exige que les arrêts soient motivés. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Kibuka est un des meilleurs élus de la ville de Kinshasa, avec 26 500 voix. Il est remplacé par une personne qui a 640 voix. 640 voix. Comment on peut m'expliquer ça? Monsieur Jean Goubal, de la liste dynamique de l'opposition, cette liste a 19 000 voix. Il est remplacé par une personne qui n'a que plus ou moins 4 000 voix. Comment on peut m'expliquer que monsieur Daniel Safou, dont la liste a plus de 10 000 voix, et Safou a 6 000 voix, il est remplacé par une personne qui arrive à peine avec 1000 voix. C'est inadmissible, à moins qu'on me donne que dire que ces calculs tombent du ciel. Donc, le peu qu'on peut faire, c'est de dire, bon, nous nous sommes trompés, et que nous avons commis des erreurs matérielles, nous corrigeons. Mais on ne peut pas. Sur 33 arrêts, vous avez invalidé 23 membres de l'opposition, dont 8 du MLC. C'est inadmissible. Est-ce que Nakota la Maïma... Vous savez que les députés de Lamouka, la seule plateforme qui constitue l'opposition aujourd'hui à la République démocratique du Congo, plus de 25 d'entre eux ont été injustement invalidés. Vous savez aussi que les députés de Lamouka sont les seuls à être réellement élus par le peuple congolais, parce que les autres ont été tout simplement nommés. Et ils sont passés de la manière dont vous connaissez. Aujourd'hui, la Cour a décidé, sous l'influence de la politique, sous l'influence de l'ennemi des peuples congolais, a invalidé le seul élu que le peuple congolais a fait confiance. Vous savez aussi que la souveraineté appartient au peuple. Quoi qu'on leur dise que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas discutables ou quoi, mais ils rendent ces arrêts au nom du peuple. Nous trouvons inacceptable que quelqu'un qui a par exemple 28 000 voix soit invalidé pour quelqu'un, en faveur de quelqu'un qui n'a que 500 voix. C'est inacceptable. Nous trouvons aussi inacceptable que 28 000 personnes qui ont dit oui à une personne soient inférieures à 5 ou 4 personnes qui ont siégé au nom de la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que nous exigeons la réhabilitation pure et simple des députés invalidés. Et si je suis en train de travailler dans Zambie, en tout cas, je suis en train de faire musique.
Donc là, va, y a ma mission dans ton pays, ça aux autres comme il faut. Place nous à où ils allaient sous-souter. Ah? Oyo qui? Allez, quittez! Polo ça, on est là-bas, tiens, na kale, na l'homme, na kekuna, na kekuna! Là, va! Ah! On nous a mis dans la range, non? Comment, ok? Ah, ouais, mais on y a mis caca. Vraiment. Qui savent pas? Et en plus, il y a des gens qui ont partout en Europe, dynamique, qui ont partout en Europe. Comment, ok? Ça et comme ils sont partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Nice, tout comme la Bruxelles, et puis base de la vie suédoise toujours Londres, Angleterre. Puis on a dynamique Congo, deux ans qu'on avance dans le colo.